son voilà. Écoute, s'il te plaît. J'ai de merveilleux souvenirs de la Martinique. Le soleil, la chaleur, ces parfums de liberté, c'est... Et votre île vous manque? Parfois, oui. Beaucoup. Liberté, c'est... Et votre île vous manque? Parfois. Tu te rappelles de cette expression, votre île vous manque? Non. Isso é mais que... Eu esqueci que eu já comecei a estar ligado, né? Natália, tu é um stand-up. Natalia, cette expression de manquer, par exemple, Brasilia me manque. Ça veut dire que je me sens, je pense à Brasilia. Ah, Brasilia. Mon Dieu. Ah, mon me manque. D'accord, 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 d'accord. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te manque? Brasilia. Brasilia, mais quelqu'un? Brasilia me manque beaucoup. Ah oui. Quel? Quelqu'un. Mes amis. D'accord. Des Brasiliens? Mes amis de Brasilia. Ah oui, d'accord. Écoute ce qu'il dit, s'il te plaît. Ces parfums de liberté, c'est... Et votre île vous manque? Qu'est-ce qu'il dit? Votre île vous manque. Très bien, tu te rappelles de ça? Votre île vous manque. Ah oui. Ah. Oh, d'accord, je comprends. Oui, d'accord. C'est... Et votre île vous manque? Parfois, oui. Parfois, oui. Excellent! Nous avons arrêté ici. D'accord? Alors. D'accord. Ou même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Oui. Beaucoup même. Ce n'est pas très difficile ce qu'elle dit maintenant. Non, confie-moi. Non, non. Confie-moi, non, oui. Non, c'est pas mal, moi. Confie-moi, écoute. C'est... Et votre île vous manque? Parfois, oui. Beaucoup même. Écoute, s'il te plaît, Natalia. Je t'ai dit que même les oiseaux n'aiment pas ma grand-tante. D'accord? D'accord. Même les oiseaux n'aiment pas ma grand-tante. D'accord, je comprends. D'accord. Oui. Écoute. Ce qu'elle a dit maintenant. C'est... Et votre île vous manque? Parfois, oui. Beaucoup même. Beaucoup même. Excellent! C'est la transcription, traduction exacte du portugais. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Oui. D'accord, je comprends. Très bien. Tu te... Ah oui. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Beaucoup même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Excellent. Natalia, écoute, s'il te plaît. Quand nous prenons les choses pour les mettre au lieu correct, à la place correcte, nous gardons... Un minute, s'il vous plaît, un minute. D'accord. Un minute, s'il vous plaît. Bon, tu vas agora. Ah, eu pensei que tu ia pagar 50 burps quando chegasse lá. Burps? Ah, tá bom. Depois eu te mostro o que é burp, meu filho. Depois eu te mostro o que é burp. Dá cá, Augusto. Dá cá. Hã? Não. Dá cá.
Oui. Oui. O Miguel é um palhaço. D'accord. Alors, Nathalie, quand nous prenons les choses pour mettre au lieu correct, c'est garder. Par exemple, je garde tous mes livres dans l'armoire. Garder. Mm-hmm. D'accord? Oui. D'accord. Tu te rappelles des cœurs? Cœurs? Oui. Laisse-moi te montrer. Cœur. Tu travailles pour les trois cœurs. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu connais, est-ce que tu connais la rivière Amazonie? Mm-hmm. Il y a une chose très intéressante de la rivière Amazonie. Quelle est la rivière la plus fond du monde? Alors, le fond de l'Amazonie, c'est très bas. D'accord. Mmh, d'accord. D'accord. Par exemple, fond de la mer. Ah, regarde les choses de la mer. D'accord. D'accord. Elle manque beaucoup sa île. Et qu'est-ce qu'elle fait? Beaucoup même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Me je garde. Beaucoup même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles. Mais je garde des fonds. Je garde au fond de la mer ou je garde au fond du cœur. Je garde au fond du cœur. Qu'est-ce qu'elle garde au fond du cœur? Écoute, s'il te plaît. Parfois, oui. Beaucoup même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Ah, les plus belles images. Oui. Oui. Et quoi plus? Les plus belles images et? Beaucoup même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Courte ou deux? Beaucoup même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Des plus belles? Uh-huh. Beaucoup même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Sensations. Ah, d'accord. Sensations. D'accord. 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 Qu'est-ce qui sont des choses que tu gardes au fond du cœur? Le parc de Brasilia. D'accord. Les voyages que nous avons fait. Voyages que nous avons fait et notre ami. D'accord. Nos amis. Nos amis, d'accord. Très bien, très bien. Écoute-la, s'il te plaît. Beaucoup même. Mais je garde au fond du cœur les plus belles images, les plus belles sensations. Ouais, maintenant, elle va parler un peu des images. Ah, vous nous faites rêver, France. Quelles images sont les plus belles sensations? Pas maintenant. Sensation. Ah, vous nous faites rêver, France. Quelles sont ces plus belles sensations? Ah, vous nous faites rêver, France. Vous nous faites rêver. Tu te rappelles de rêver? Il y a 10 ans que nous avons parlé. En rêve, c'est quand tu dors. Et tu as des images dans ta tête. C'est un rêve. Ah, d'accord. D'accord. Par exemple, je les rêve d'étudier au Canada. Dis-moi d'accord. Un rêve que tu as. Je rêve. Mm-hmm.
Je rêve d'avoir autre enfant. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vous nous faites dormir ou vous nous faites rêver? Vous nous faites rêver. Très bien. C'est bon. Du cœur, les plus belles images, les plus belles sensations. Ah, vous nous faites rêver, France. Maintenant, il demande... Quelles sont ces images et ces sensations, alors? France, quelles sont ces images et ces sensations, alors? Et ces sensations. Oui, il y a un dernier mot. Écoute à nouveau. Rêver, France. Quelles sont ces images et ces sensations, alors? Alors. Excellent. Maintenant, elle décrit. Et à vrai dire, Natalia, il y a les mots qui sont importants. Vraiment. Mais il y a les choses qui ne sont pas très importantes. Je vais te dire. Par exemple, les regards des enfants métis, c'est inoubliable. Par exemple... Par exemple. Oui, d'accord. Alors, regarde cette fille ici. Voici, ce n'est pas un mot très, 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 très important. Mais c'est important de comprendre ce qu'elle dit. Si tu regardes cette fille-là, il y a à Martinique beaucoup d'enfants qui sont filles d'un Français et d'une personne de la Martinique. Alors, les Français, ils sont tout blancs. Les personnes de la Martinique, ils sont noirs. D'accord? Ces filles, ils sont quoi? Ils sont métis. Ça veut dire qu'ils ne sont pas blancs, 100% blancs. Ils ne sont pas 100% noirs. Ils sont métis. Comment ça crée? Métis, c'est M-E-T-I-S. Métis. Oui, laisse-moi écrire. D'accord. Toi. Métis. Non, ça t'est nain de vivre. Personne. Métis. Oh, il est métis. Il est fils de Américain avec Kenyan. D'accord. Oui. D'accord. Tu comprends? Je comprends. Comment on dit ça en portugais? Moreno. Mestiço. Ah, tá. D'accord. D'accord. Ce n'est pas très important. Mais ninguém fala isso aqui, sacanagem também. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas très important. Mais elle parle des enfants métis. Qu'est-ce qu'elle parle des enfants métis? Ces images et ces sensations, alors. Par exemple, les regards des enfants métis. Est-ce qu'elle dit l'image des enfants métis ou le regard des enfants métis? Le regard des enfants métis. Des enfants. Qu'est-ce que tu dis? J'écoutais les, pardon. Le regard des enfants métis. Excellent. Oui. Sensation alors. Par exemple, les regards des enfants métis, c'est inoubliable. Voici, c'est important. Écoute à nous. C'est inoubliable. Les regards des enfants métis, c'est inoubliable. C'est in. Oh, béable. D'accord. Elle dit, Nathalie, que c'est une chose impossible à oublier. C'est une chose inoubliable. Ah, d'accord. Inoubliable. D'accord. Excellent. Dis-moi une chose qui pour toi c'est inoubliable.
Quand des ONG. Ah oui, Little Michael, Little Miguel, Miguel Petit. Oui. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Écoute, qu'est-ce qu'elle dit là? Les regards des enfants métis, c'est inoubliable. C'est inoubliable. Très bien. Alors, elle continue à décrire. Et puis, le vent des îles, le sable chaud, les couleurs, la douceur. Et puis, le vent des îles, le sable chaud, les couleurs, la douceur. Et puis, le vent des îles, le sable chaud, les. D'accord. Il y a des mots qui sont importants. Est-ce que tu te rappelles du vent? D'accord. Est-ce qu'elle dit? Et puis. Le vent des villes ou le vent des îles? Des îles. Excellent. Le vent des îles, le sable chaud. Les... Très bien. Tu te rappelles de... Comment c'est ça? Comment c'est... Froid. Oui, et... Il fait chaud. Excellent. Très bien. Natalia, si tu vas à la plage et tu y vas beaucoup, il y a le sable et la mer. D'accord? Tu te rappelles le sable et la mer? Le sable et la mer. D'accord. Ah oui. Les vents des îles. Couleurs. Et puis, le vent des îles, le sable chaud, les... Oui. Inoubliable. Et puis, le vent des îles, le sable chaud, les... Est-ce qu'elle dit le sable froid ou le sable chaud? Le sable chaud. Très bien, écoute-la. Inoubliable. Et puis, le vent des îles, le sable chaud, les couleurs, la douceur de vivre. Et le vent des îles, le sable chaud, les couleurs. Les? Le couleur. Excellent. D'accord. Et il y a autre mot, si tu ne comprends pas, je te dis. La douceur de vivre, le vent des îles, le sable chaud, les couleurs, la douceur de vivre. Tu comprends ce qu'elle a dit? Non. D'accord. Tu te rappelles de qu'est-ce que c'est douce? Douce, oui, je me rappelle. Oui, par exemple, est-ce que tu aimes patate douce? Oui, j'aime beaucoup. D'accord. Alors, il y a des choses qui sont douces. Par exemple, la patate et au doux, qui c'est le masculin. Ah, qui grave. Mais je ne sais pas. Oui, d'accord. Et ces choses, ils ont tout douceur. Douceur, c'est la propriété des choses qui sont doux ou douces. D'accord? Non. Pour quel mot? Vai já terminar aqui, meu amor. Faltam 10 minutos. Não, porque o barulho da televisão me atrapalha, filho. Com medo de quê, mamãe? Tá meio aqui no quarto. Não, eu vou já pra lá. Faltam 10 minutos. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Je vais te montrer une chose. Est-ce que tu peux aller à Instagram? Oui. D'accord. Espera aí, filho. Não é você, meu amor, é a televisão. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pardon. Non. Peraí.
Ok. Ok, les deux chemins. Deux chemins. Não, ok, meu filho. Por que o Augusto disse não? O Augusto não disse não. Por que tu disse não? Por que tu disse não? Eu disse não, não foi ele. Por que tu disse? Tô só repetindo o que ele disse. Todo interrogatório agora, né? Fala oi pro Augusto. Não, não vou. Falta 9 minutos, eu não vou. Tá, pois espera aí caladinho. Regarde, s'il te plaît. E aí, com repelente? Não. Que linda! Oh, elle est très douce. Oui, d'accord. Oui. Elle n'est pas arrogante, difficile, impolie. Non. Elle est douce. Non. D'accord. Beautiful, papa. Yes. Senta aí, garoto. Hello, Natalia. What's your name? What's your name? De ce type de personne. Douce. What's your name? Douce. Un minute, Augusta, un minute. D'accord. Que qui est? What's your name? My name is Chica. And your name? Enzi. Ah, very good. Très bien. Alors, Natalia, dosura. D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Ela quer dar uma de poétise aqui. Ela começa falando. Bon, vamos lá. Écoute, s'il te plaît. Le vent des îles, le sable chaud, les couleurs, la douceur de vivre. La douceur, la douceur des rivres. La douceur du peuple ou la douceur de vivre? La douceur de vivre. Oui. Nossa, que profundo. Oui. Oh, cega. Qui est, tu falais? Et aussi? Tous ces souvenirs qui me font du bien et me donnent le sourire de vivre. Tous ces souvenirs qui me font du bien et me donnent le sourire de vivre. Tous ces souvenirs qui me font du bien. Est-ce qu'elle... Tu te rappelles des souvenirs? Souvenirs, d'accord. Ah oui. Je me rappelle. Est-ce qu'elle dit... Oui, écoute-la. La douceur de vivre. Tous ces souvenirs qui me font du bien. Corto. D'accord, à nouveau. Couleur, la douceur de vivre, tous ces souvenirs qui me font du bien. Tous ces souvenirs. Oui, tous ces mémoires ou tous ces souvenirs. Tous ces souvenirs. Oui. Alors, ces souvenirs, qu'est-ce qu'elle dit? Tous ces souvenirs. Qui me font du mal ou tous ces souvenirs qui me font du bien? Écoute, s'il te plaît. Ces souvenirs qui me font du bien. Très bien. La douceur de vivre, tous ces souvenirs qui me font du bien et me donnent le sourire. En tout cas, vous... Tous ces souvenirs qui me font du bien et me donnent le sourire. Et me donnent le sourire. Oui, sourire. Sourire, d'accord. D'accord, écoute-la. D'accord. Vivre. D'accord. Tous ces souvenirs d'accord. qui me font du bien et me donnent le sourire. En tout cas. Ah, j'adore ton fils. D'accord. C'est la même mamie. Vous en parlez très bien et nous aussi. Ça... Et me donnent le sourire. En tout cas. Vous en parlez. Tous ces souvenirs qui me font du bien et me donnent le sourire. En tout cas. Natalia. Oui, pour favor. D'accord. D'accord. Pardon. D'accord. Tu peux répéter.
Non, à nouveau ? Ok. Tous ces souvenirs qui me font du bien et me donnent le sourire. En tout cas, vous en parlez très bien. Et me donne. Tu te rappelles du verbe donner ? Ah, d'accord. Oui. Et me donne du cri, de crier, le cri, ou me donne le sourire. Me donne le sourire. Très bien. Alors, Natalia, écoute. Il utilise une expression pour finir l'interview. Écoutez, s'il te plaît. Dire qu'ils me font du bien et me donnent le sourire. En tout cas. Très bien. Natalia, il dit. En tout cas, d'accord. Tu comprends? C'est comme en portugais. C'est exactement comme le portugais. En tout cas, quoi? Vous en parlez très bien et nous aussi, ça nous fait du... Et me donne le sourire? En tout cas, vous en parlez très bien et nous... Vous en parlez très bien? Très bien! Tu te rappelles du pronom qu'on a étudié en... Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Laisse-moi regarder ici. C'est là. Ah oui. And. Tu kiffes. Bye. Hey. And. And. Natalia, regarde s'il te plaît. Hier, j'ai connu un garçon qui adore parler des cinémas. Et la fille, elle dit quoi? Lis, s'il te plaît. Ah, et moi, j'adore en parler aussi, d'accord. Je me rappelle. Tu te rappelles? Et oui. Écoute ce qu'il dit. Aussi. Ah, il me donne le sourire. En tout cas, vous en parlez très bien. Vous en parlez très bien. Très bien, tu comprends? Ah oui, j'ai compris. D'accord, et alors? Et nous aussi, ça nous fait du bien de vous écouter, France. Vous en parlez très bien et nous aussi, ça nous fait du bien de vous écouter, France. À nouveau. Vous en parlez très bien et nous aussi, ça nous fait du bien de vous écouter, France. Et moi aussi ou et nous aussi? Nous aussi. Ça nous fait du mal ou ça nous fait du bien? Nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, d'accord. Très bien, écoute là. En tout cas, vous en parlez très bien et nous aussi, ça nous fait du bien de vous écouter, France. De vous écouter, France. Très bien. C'est fini! Excellent, Natalia. Alors, nous continuons mercredi. D'accord, nous continuons mercredi. Je vais te demander, tu es